Eh bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ça y est, nous sommes enfin avec vous. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard dû à, vous savez, à des petits problèmes techniques. Vous savez, quand on fait une émission en direct, parfois, il y a des petits trucs qui, au dernier moment, ne marchent pas. Mais ça y est, visiblement, tout fonctionne. C'est notre 4e live depuis le CES de Las Vegas. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Salut François, bonsoir à tous. C'est vrai qu'un CES sans problème technique, ce ne serait pas un mais vrai non, CES. Mais voilà, c'est ça qui fait le charme. En tout cas, merci d'être là en direct avec nous sur Zeronet TV et sur YouTube. Comme on est en direct, évidemment, le hashtag ZeronLive sur Twitter pour réagir à tout ce qu'on dit. Nous allons parler ce soir de maisons connectées. C'est l'un des gros morceaux de ce CES 2018. Et d'ailleurs, nous sommes ici au cœur de l'espace consacré au smart home. Et alors, autour de nous, eh bien, il y a vraiment de tout, des prises connectées, des box, il y a de l'intelligence artificielle, etc. Nous allons recevoir tout à l'heure pas moins de 5 invités pour parler de maisons connectées. Ah bah oui, on va même parler de Wi-Fi, le futur du Wi-Fi avec Netgear. On va parler forcément de voitures avec David Noguera qui est à nos côtés. Salut David. Bonjour. On te retrouve dans un instant, David Noguera. Et puis, vous le savez, je le disais, le hashtag ZeronLive si vous voulez réagir sur Twitter, aussi sur YouTube. Là, vous avez les commentaires. Vous pouvez nous laisser toutes vos petites réactions. Jérôme, je crois que pour cette dernière, nous sommes prêts et on va commencer dans un instant avec le JT de ce jour. Le JT, c'est comme chaque jour dans ce ZeronLive spécial CES, eh bien notre moisson de nouveautés, ce qui nous a tapé dans l'œil, soit en bien, soit en mal d'ailleurs. Oui. Avant tout ça, peut-être un mot sur l'ambiance qui règne ici au CES. Elle est pourrie, non, présente. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est le dernier jour, hein, nous on va bientôt rentrer sur Paris, et donc le salon se vide petit à c'est petit, vrai, il y a de moins en moins de monde dans les allées, etc. C'est pas désagréable. Il y a plus en plus de monde qui fait le check-out dans les hôtels, voilà, c'est assez drôle. Mais en tout cas, on est ravis d'être là. Et donc, pour ce JT, Jérôme, on va commencer par une petite moisson de nouveautés qu'on a pu voir de ci, de là, ici. Et on va commencer par un truc qui a fait le buzz. Qui t'a tapé dans l'œil, ou plutôt dans l'oreille. Plutôt dans l'oreille. Bien joué. Ça s'appelle Signal. Enfin, je ne sais pas trop comment on le prononce parce qu'il n'y a pas de voyelle. Et prononcer un mot sans voyelle, ce n'est pas facile. Alors, ce n'est pas moi qui fais un jogging là. Mais en fait, ce truc-là, c'est une espèce de petit bracelet que tu rajoutes en fait, à une montre connectée. D'accord. Et qui va te permettre, attention, accroche-toi bien, de passer des coups de fil avec ton petit doigt. Le doigt dans l'oreille. Le doigt dans l'oreille. Et alors, tu vas te dire, mais comment ça marche ? Eh oui. Eh bien, c'est tout simplement, tu sais, par ces systèmes d'induction osseuse. Non, conduction. Conduction, j'ai dit induction. Ouais, t'as dit induction. C'est la conduction. Ça chauffe. Oui, parce que l'induction, c'est... c'est la recharge. Ça fait mal. C'est la conduction osseuse, la conduction tout simplement. Osseuse. Ouais. Vous savez qu'on a déjà eu des petits casques comme ça qui, justement, grâce à leur technologie, nous permettaient d'entendre du son sans haut-parleur, simplement avec cette conduction osseuse. Eh bien, c'est à peu près le même principe. Là, vous avez donc un petit module qui est accroché à votre montre connectée, style Apple Watch. Ouais. Et lorsque vous pouvez, aujourd'hui, vous pouvez passer des coups de fil avec une Apple Watch, hein, notamment si elle est 4G, eh bien là, vous faites le geste du faux téléphone avec la main. Il y avait déjà eu quelqu'un qui avait fait un truc. Il y avait des gants qui permettaient de téléphoner comme ça. Tout avec le monde faisait non mais allô, quoi. Non mais allô, voilà. Non mais allô. Non mais allô. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Bah hein. Écoute, en tout cas, peut-être tout cas, dans c'est certains drôle. Environnements, quand on ne peut pas décrocher son téléphone, on ne peut rien faire. Et tu sais que c'est une start-up qui est soutenue par Samsung. C'est une start-up sud-coréenne qui a fait ça, Signal. Donc peut-être qu'on arrivera, on verra arriver ce type de produit dans les accessoires de Samsung dans quelques mois, pourquoi pas. Autre nouveauté, autre innovation. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça, François ? Le Knocki ? Knocki, c'est quoi ? C'est des alors saucisses, ça n'a rien à voir avec la Knacki, non. Mais voilà, justement, je n'osais pas la faire, mais Jérôme l'a faite, excusez-nous. Je suis c'est le dernier jour de Las Vegas. Je pense qu'il y a certains moments qui vont être gênants. Tous les filtres Merci ont sauté, tous les, tous les filtres ont sauté. C'est nos limites. Alors Knocki, c'est quoi ? Bien, non, c'est super, Knocki. Alors c'est un petit module. On le voit là, qui existe en noir ou en blanc, et que vous allez coller sur une surface, c'est-à-dire sur une table, sous un meuble, par exemple sous le meuble de la télé, sur un mur. Et alors ça sert à quoi ? Parce que en fait vous allez le connecter à votre box Wi-Fi. Ouais. Et ça va être une nouvelle interface que vous aurez J'aime dans votre maison. J'aime quand tu parles de smart home. Je t'écoute avec attention. Écoute, tu sais D'accord. quoi ? Tu es mon maître en termes de smart home, et j'essaie d'être à ta hauteur. Et donc ce truc-là, par exemple, vous le collez sur votre table basse. Ouais. Même c'est dessous d'ailleurs, ça se voit pas. Dessous. Lorsque vous allez tapoter votre table basse et donner des codes, un peu comme le Morse, vous allez taper deux fois, comme ça, et bien ça va allumer la télé. Vous Quand tapez trois fois, une lampe, c'est quoi, c'est... et bien ça va allumer, par exemple, une lampe.
En fait, c'est un bouton pour système connecté. Ça existe déjà. Il y a des trucs, il y a la Logitech, etc. Sauf que là, ils ont caché le bouton et c'est le meuble qui devient bouton. Exactement. Et ça marche comment ? C'est Frim. Dans cet appareil Knoki, donc, il y a des capteurs qui vont sentir les vibrations. Et bien voilà. Donc après, vous allez programmer le nombre de tapes. Oui, c'est ça, de tapotement. Voilà, de tapotement. Bon, alors si vous en mettez 25, ça va être un peu long quand même. Mais on peut aussi créer des séquences et ça va commander des objets de la maison. Voilà, alors j'ai vu l'interface. C'est pas mal. Je trouve ça rigolo parce que finalement, on connaît l'interface vocale aujourd'hui qui marche bien. Mais finalement, pour mettre en route sa télé, parce qu'on peut créer des scénarios aussi, vous êtes installé dans le canapé. Vous tapez deux fois, vous avez la télé qui s'allume, le home cinéma qui se met en route, tous les systèmes pour regarder la télé. Pourquoi pas, moi je dis. Et ça coûte pas très cher, ça coûte 80$. D'accord. Non, c'est une très bonne idée, très bonne initiative. Bon, je pense qu'il faut que, je sais pas si ça marche sur tous les meubles. Hein. Bon, ça on verra, on testera quand ça sortira. Mais moi, si j'étais IKEA, par exemple, je sais pas, je m'intéresserais un peu à ce type de choses. Tu as raison, c'est sûr. Autre innovation. Ah. Alors ça, moi, ça m'a tapé dans l'œil. Alors Jérôme est tombé amoureux de ce truc-là. Ouais. Alors accrochez-vous, vous allez voir, c'est pas ultra sexy. C'est pas ultra sexy. Mais depuis deux jours, il m'en parle tout le temps. Oui, mais il y a vraiment un avenir. C'est un robot transporteur de charge. Ouais, bon, dit comme ça, évidemment. Ça fait un peu peur. C'est un caddie sur roue, si vous voulez. Donc, moi, j'adore son petit warning au-dessus de. C'est un radar. David, je parle sous ton contrôle. Là, j'arrive pas. Je vois bien qu'il y a un gyrophare pour. Moi, je pense que c'est plutôt alerter les gens. C'est plutôt pour alerter les gens, non ? Et là, de prochain CES, vous verrez François Sorel fera un tour là-dessus avec Jérôme qui le traîne dans les allées. Aïe, les amis. Non, mais parce que c'est comme une voiture autonome, il y a radar, lidar, il y a GPS. Des capteurs. Alors c'est un robot. À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à transporter des charges de plusieurs dizaines de kilos d'un point à un autre sans intervention humaine, en fait. Donc, on imagine ça sur le trottoir pour livrer les pizzas, par exemple. Sauf que bon, c'est pas le marché qu'ils visent parce qu'on sait que c'est pas facile. À San Francisco, il y avait une tentative de robot livreur sur les trottoirs, ça a été interdit parce qu'il rentrait dans les gens. Ouais, donc il y a des problèmes de sécurité. En revanche, eux, ils visent le B2B, l'usine par exemple, pour transporter des charges, du courrier, des pièces d'un bureau à un autre, etc. Avec ses grosses roues, il peut monter des obstacles. C'est vraiment malin, c'est français, c'est lyonnais. Alors, chez Honda, il y a un projet similaire qui est avec un truc comme c'est Honda, bah forcément c'est beaucoup plus gros avec des 4 roues motrices, c'est pareil, un système autonome et des gros racks sur le dessus. Et là, l'idée c'est carrément de greffer du matériel de secours. On peut même imaginer des civières, des lances à incendie, ce genre de choses. Donc il y a peut-être un avenir finalement. On en rigole, mais il y a peut-être des choses à faire. Mais il n'est pas question d'en rigoler. De ces robots là autonomes qui transportent des charges. C'est basique, mais ça c'est vraiment utile. Et bon, alors évidemment, ça coûte très très cher, mais. Tu sais quoi, on est sur le stand de la Poste. Oui. Hein, on aurait dû montrer ce type d'appareil à Nathalie Collin, la directrice de la Poste, parce que franchement, peut-être que demain, ça pourrait être l'assistant du postier, du facteur. Les zones où ils ne peuvent pas accéder avec leur camionnette. Ouais, ou même, par exemple, pour les soulager, pour avoir peut-être encore plus de colis, pour pouvoir transporter plus de colis, puisque ça suit en plus la personne. Oui, soit il peut circuler tout seul, soit en suivant un itinéraire, soit il peut suivre quelqu'un. Exactement. On enchaîne avec du vintage parce que évidemment on trouve de la techno à tous les coins ici, mais il y a aussi pas mal de vintage. Et on est tombé sur un stand, Jérôme, de produits, mais vraiment, alors là, hyper vintage. C'est comment te dire, on remonte de 50 ans en arrière, voire plus. Moi, ça me casse le moral, ça. Pourquoi ? Je suis pas très vintage. C'est vrai ? Non. Mais regarde ces petits appareils, ça te rappelle pas ton enfance ? Non, j'étais pas né. Je te signale, quand il y avait ces trucs-là. S'il te plaît. Regarde ce gramophone, ça te rappelle ta jeunesse, Pépé. Je te taquine quand même. Et alors, donc, cette marque est une marque américaine, propose divers appareils qui, justement, remettent en scène le vinyle, les cassettes. Regardez ça, c'est les petites valises qu'il y avait dans les années 70. Ça, c'est drôle. C'est des valises que vous ouvrez et dedans, vous avez une platine vinyle. Ouais. Alors, j'espère que ma fille regarde parce qu'elle adore ça. Mais ouais, mais alors, les jeunes adorent ce truc-là. C'est vrai que nous, on a un regard un peu différent parce qu'on a connu les vinyles et on sait que finalement, le numérique apporte pas mal de progrès. Et donc, voilà. Ce qui me fait rire, c'est que tu mets des jeunes de 17 ou 18 devant un
un vinyle, ils savent pas comment ça marche. Mais exactement. Quoi, il faut mettre le truc là. Oui, mais il faut un ampli. Quoi? Ils savent pas comment ça marche. Bon, Jérôme, après le vinyle, puisque on commence à avoir quelques rides. Juste, je reviens un instant sur le robot porteur de bagages. Il y a Lucien sur Twitter qui nous dit j'avais bien aimé aussi le porteur de bagages de LG. C'est vrai, LG a présenté à Las Vegas un porteur de valise qu'on verra peut-être dans les gares, un robot qui peut porter la valise pour les personnes qui peuvent pas la porter eux-mêmes. En effet, on avait fait un reportage d'ailleurs là-dessus il y a quelques années de cela, je crois bien. Moi, j'étais allé dans une gare pour justement filmer à la gare SNCF. Effectivement, mais à la gare de Lyon, il y avait des espèces de gros robots qui prenaient des valises. Parce que là, le modèle qui est présenté ici au CES par LG est beaucoup plus compact. D'accord. Et il va sortir. Parfait. Alors oui, tu m'as cassé ma transition, pardon. On parlait du vinyle. Étant donné qu'on prend quelques rides, il va falloir les faire estomper avec ces peut-être de la cosmétique. Ouais, c'est alors, de la transition. Et alors, à l'Eureka Park, moi, j'ai rencontré Romy. Romy, Romy, c'est ce petit appareil. Ah, je sais, je l'ai vu aussi. Qui vous permet, en fait, de créer votre propre crème de beauté. C'est pas mal du tout, à partir de produits naturels. Bon, déjà, tout ce qui est cosmétique, c'est un marché monstrueux. C'est des milliards et des milliards. Bien d'accord sûr. Ça coûte très, très cher. Les crèmes de jour, les crèmes anti-rides, etc. Enfin, bref. Et donc là, en fait, cet appareil est une petite usine à crème. Tu vas choisir les composants que tu veux. Alors, je crois qu'il faut d'abord rentrer les paramètres, par exemple, de sa peau, si elle est sèche, si elle est claire, si elle est... Il faut rentrer son âge, etc. Bien sûr, tous ces trucs-là. Et en plus, pardon. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Vas-y, non, vas-y. je complète dans le bon sens. Et il analyse aussi l'environnement météo, l'hygrométrie, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, vous allez, parce que vous avez acheté des recharges, donc, de composants actifs, vous allez choisir les composants que vous voulez. Alors, ça peut être l'appli qui vous le dit, mais vous pouvez, par exemple, si vous avez fait la fiesta la veille et que vous avez eu une gueule de bois, etc., et vous voulez avoir un petit coup de peps sur le visage, vous allez choisir les bons composants et vous allez les insérer dans cette petite machine qui s'appelle Romy. Elle va faire, je pense, une émulsion de ces produits et vous créez votre propre petite crème que vous allez pouvoir appliquer sur votre visage ensuite. Est-ce qu'ils ont un programme after CES? Parce que, alors, ouais, je pense que là, en tout cas, pas... ils ne sont pas seuls sur ce marché parce qu'il y a deux, trois autres. Enfin, j'en ai vu un autre qui fait la même chose dans une allée à côté. Mais la crème après CES, c'est plutôt, la truelle. Ouais, c'est ce que je vais présenter moi après. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est Romy, c'est français, les amis. Et ça arrive bientôt. Alors, ça plaira peut-être à ceux qui font attention à leur visage. Et ça marche. Alors, c'est étonnant parce que je dis oui, mais c'est pour les ça femmes. Ça coûte cher. Hein. Non, c'est pas que pour les femmes, pour les hommes aussi, visiblement. 700, 800 euros la machine. Hein. Oui, et il faut compter 150 euros de budget si on se met de la crème le matin et le soir. Il faut qu'on accélère, François, parce qu'on a beaucoup d'invités. Oui, on a beaucoup de choses qui nous attendent. On termine ce JT avec le. Oui, TCL. Avec TCL. On a beaucoup de parlé télé. Il faut pas oublier le chinois TCL. Qui est un constructeur qui, encore une fois, mise beaucoup pour cette année. Faites attention, les gars, parce qu'avec les plans, là, on va être c'est malade. Live, c'est live. J'ai le mal de mer, JD. TCL, je disais marque chinoise, qui mise beaucoup aussi pour la Coupe du Monde de foot. Tout à fait. Ouais. Et qui a une marque, qui a des modèles, franchement, qu'on nous a présentés hier, qui ont l'air d'avoir un excellent qualité-prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir des 50 pouces pour 600 euros avec... Android 7.0, donc la toute dernière version d'Android, les toutes dernières technologies en matière de LED, du HDR 10, etc. Et donc, c'est une marque à surveiller avec en plus un design qui est assez soigné. Il n'y a pas de plastique, tout est en aluminium. Alors, c'est une marque B, un constructeur B, comme on dit TCL. Il ne joue pas dans la même cour que Sony, Pana, etc. LG, hein. Mais malgré tout, ils font des produits très bien finis, avec un excellent rapport qualité-prix. Et je voulais vous en parler parce que franchement, j'ai vu des télés très, très belles. Et peut-être que comme nous, vous allez vous poser la question de changer de télé dans les mois qui viennent. Franchement, c'est une marque peut-être à considérer, TCL. Très bien. On verra les tests sur Zeronet. Bien sûr, évidemment. Ouais. Ça nous arrive d'ailleurs de tester les télés TCL. Ouais. Parfait, voilà, c'était les innovations du jour qu'on voulait vous présenter très rapidement en ouverture de ce nouveau 01 Live. On passe à notre ami David Noguera. Mais bien The sûr. David Nog Show. Voilà, et avec le hashtag 01 Live pour réagir tout de suite. Et David Noguera qui a arpenté encore les allées de ce CES 2018. Oui. Ça va? Ça va, ça se termine, mais ça va toujours, tout va bien. Un peu de crème Romy ou... Faudrait.
Non, ouais. Mais ça va, je trouve qu'on s'en sort pas, ouais, plutôt ouais, pas c'est, trop c'est mal. Plutôt sympa, une édition globalement. C'est bien, on dort bien un jour sur deux. Quoi. Ouais, et puis il y a des trucs sympas, je trouve. J'ai vu des choses pas mal. Ouais. Non, mais vous savez que c'est vraiment un rendez-vous unique pour nous. C'est le paradis, hein, le CES. Il y a plein de choses sympas. Alors, on commence David. Par quoi, David ? Eh bien, Terrayon, justement, puisqu'il va falloir récupérer après tout ça, si jamais on a du mal à s'endormir. Terrayon Omni, c'est une lampe. Alors, c'est toujours dans les produits pour la maison. C'est une sorte de lampe de chevet avec cette capacité de produire des lumières, comme on les connaît, qui sont lampe, là pour nous, pour nous détendre, pardon, puisqu'on sait que le bleu a tendance à nous réveiller ouais. et les couleurs plus chaudes à nous apaiser et donc nous endormir. Et donc, il va y avoir cette lampe Terrayon Omni qui va arriver. Alors même, vous allez me dire, mais ça, on en a déjà vu plein. Ça. Voilà, sauf que là, c'est Terrayon qui le fait. Avec, en plus, c'est développé en partenariat avec le Centre européen du sommeil, parce que le but pour Terrayon, c'est évidemment de vous aider à mieux dormir. Et pourquoi mieux dormir ? Bien, tout simplement pour mieux récupérer et se sentir moins fatigué. Et quand on se sent moins fatigué, eh bien, on le sait, on a besoin de moins de calories, on a besoin de moins manger, etc. On se sent mieux, moins fatigué forcément. Donc finalement, on grignote moins. Et donc, selon Terrayon, quand on dort mieux, on mange moins et donc on ne grossit pas aussi. Voilà. C'est vrai. Donc vrai. C'est le pitch, c'est la nuit c'est qu'on l'idée, grossit, c'est ouais. se dire bien dormir pour finalement mieux s'entretenir. Et ce qu'on voit là à l'image, eh bien, c'est tout le rapport qui est capable de relever Omni, puisque Omni elle est livrée avec un capteur qui est un dot, enfin ils appellent ça le dot, c'est une petite pastille qu'on va fixer sur son draus. Et une fois qu'il est fixé sur le draps, eh bien, il détecte les mouvements du corps, il détecte si vous avez eu un sommeil agité. Ah, c'est plus sur le matelas. Exactement. Et si jamais eh bien, on a passé une nuit agitée, forcément, ça va se ressentir sur le sommeil et ça va se voir sur l'application. Mm-hmm. Et en plus, Omni est doté de plein de capteurs pour mesurer la température de la pièce, pour mesurer le taux d'humidité. S'il y a eu des bruits dans la nuit, on va les voir aussi dans l'application, ce qui peut expliquer qu'on puisse finalement ressortir parfois avec des coupures du sommeil, c'est-à-dire qu'on se réveille, on ne sait pas bien pourquoi, finalement à ce moment-là, il y a eu un bruit dans la maison. Voilà. Ah d'accord. Bon, très bien. 199€, dispo dès fin janvier, 169€ pour un capteur supplémentaire qui est là, qui va venir. C'est un peu comme le Withings Aura. C'est un peu comme Withings Aura, hein, tout à fait. D'accord. Moi, je à chaque fois qu'on prononce Terrayon, ça me fait penser à la balance et ça me fait un peu peur. Bien sûr. C'est ça. C'est les outils qu'on c'est aime pas trop. C'est pas un ami. La balance, c'est pas un ami. Surtout après le CES, autant vous dire que là, franchement. Il faut la laisser dans le tiroir. On revient à ton domaine de prédilection, j'allais dire, hein, David. Alors, l'automobile, tu as vu des trucs incroyables. Incroyable. Ça va arriver sur des vidéos plus complètes, mais on a vu un truc assez fou chez Valeo avec plein de démos, technologie Xtraview. Valeo, qu'est-ce que c'est ? Rappelons-le, équipementier. Hein, tout à fait. Qui fabrique des morceaux de voiture, en fait. Et des accessoires. Des parties de voiture. Des morceaux de voiture qu'ils mettent ici dans des voitures complètes avec des trucs qui sont géniaux. Et dans les technos qu'on avait déjà un petit peu vu l'année dernière, cette année, on l'a vu en application avec deux véhicules, Xtraview. Grosso modo, considérez qu'il y a deux voitures qui se suivent. Toutes les deux ont une caméra à l'avant. Eh bien, la technologie de Valeo permet d'utiliser la caméra du véhicule de devant pour voir ce qui se passe finalement un véhicule plus loin ou même plusieurs véhicules plus loin, voir ce qui se passe sur la route, éviter un accident, éviter un piéton, mais surtout être capable de doubler. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est avec cette technologie Xtraview, eh bien le véhicule qui est devant disparaît. Et donc, du coup, on a un retour d'image à l'écran avec ce qui se passe vraiment devant. Et donc, imaginez une route à double sens, un camion qui est devant vous, vous voulez déboîter, vous ne savez pas si c'est possible, eh bien avec Xtraview, ce sera possible de voir si vraiment il n'y a aucun danger. Cool. Voilà. Donc ça, c'est Valeo. Ça, c'est Valeo. Et après, il y a un truc qui a fait le buzz ici. Exactement. Rappelez-vous, Faraday, c'était quand Faraday Future, c'était il y a deux ans pour la première. L'année dernière pour tout la seconde. Tout le monde parlait de ça. Exactement. Les médias les plus sérieux disaient, voilà, le killer, concurrent Tesla. Faraday, constructeur chinois, je crois. Hein, exactement, voilà, qui arrive avec un véhicule étonnant. Deux ans plus tard, on n'entend plus parler de ce truc-là. Exactement. Mais qu'est-ce que c'était quoi ? C'était du fake Si je serais mauvais angle, je dirais une levée de fonds. Maintenant, une levée de fonds, d'accord. Voilà, après, c'est très compliqué de se prononcer là-dessus. Je crois que son histoire à ce monsieur, elle a pas très, très bien tourné. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que du coup, on a vu la deuxième année, Faraday a fait 2015, donc 2016, 2017, pardon, ils sont revenus, donc 2016-2017, il y avait d'autres constructeurs chinois, et cette année, il y en a encore un, qui est Byton, avec des affiches incroyables partout aux abords du Convention Center. Et ils ont sur le stand un véhicule qui est explosé, Byton Concept, et qui est assez dingue côté intérieur. Là, on le voit, on était sur l'extérieur. Et donc, on y est un peu allé en jouant des coudes avec JD, sérieusement, parce que tout le monde voulait rentrer dedans. Mais c'est ça, c'est donc, ça crée le buzz. Ah oui, non, mais c'était incroyable. Il y avait des files d'attente remarquables.
pour voir ce véhicule où il y a des écrans immenses. Il y a quand même 1m30 d'écran LCD sur 25 cm. Il y a plein de choses, des sièges, il y a des choses qui sont très avant-gardistes, des sièges qui tournent de 20 degrés pour se faire un peu face, parce que mine de rien, c'est un véhicule, je vais le dire tout de suite, qui est annoncé 45 000 $. Le truc, c'est annoncé conduite autonome de niveau 3, mise à jour niveau 4. Ça rappelle un petit peu autopilote de Tesla. Ouais. Donc ensuite, il y a des écrans LCD partout. Il y en a même un dans le volant. Moi, de ce un point de vue-là, dans le volant. Il y en a un dans le volant. Je trouve ça un peu bordel. C'est un peu limite. J'aurais préféré même qu'il y ait un airbag, par exemple, dans le volant. C'est les limites de l'imagination. Il n'y a pas d'airbag. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'airbag dans le volant. Ah c'est-à-dire que, voilà, forcément, une homologation telle que ce véhicule est, c'est juste impensable. Impensable. 45 000 euros, c'est, selon moi, impensable aussi, parce qu'il est bardé de capteurs. Il y a des systèmes, il y a des capteurs dans le siège pour détecter le rythme cardiaque, la pression artérielle. Il y a un système de gesture control à l'intérieur, donc du pilotage complètement dans l'air. Des choses qui fonctionnent par ailleurs pas trop mal. Ouais. Sauf que du coup, on a fait une petite démo. Ça nous a vite rappelé qu'on était dans un concept car, parce qu'il y avait des gros bruits de roulement dans le virage. Il y avait l'impression qu'il y avait une poignée de cailloux dans le capot et qu'il y avait des choses qui se déplaçaient à l'intérieur. Donc on a une vidéo complète là-dessus qui arrive sur 01net TV. Véhicule 100% électrique, plus de 400 km d'autonomie, un truc assez waouh. Mais tu sens le truc un peu bizarre. Je me méfie un petit peu. Ouais. Voilà. Byton concept, tout à fait. Ouais. Mais donc, voilà, ils nous annoncent du 2020 en Europe. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont. Ce point, c'est des Chinois qui se créent un bureau à Munich en Allemagne. Ils ont des speakers qui parlent parfaitement anglais. Ils ont des discours qui sont très très bien rodés, des produits qui sont waouh. Et après, il faut voir ce que ça donne. C'est pas facile en plus. Hein. S'il y a bien, on va dire, un secteur très compliqué, c'est l'automobile. Tout on à le fait, voit. Hein. Tout à fait. Puis, Tesla qui a d'énormes problèmes de production avec la Model 3. Je vois mal comment en 2 ans. Un constructeur sorti de nulle part puisse construire et faut pas oublier commercialiser des véhicules. Il ne faut pas oublier la puissance industrielle de la Chine. Hein. Oui. Les capacités de production, d'innovation et tout. Merci David. Merci à vous. Et alors, on revient dans un instant, les amis. Et là, ça va être, vous allez voir, notre farandole d'invités. On va parler de la maison connectée, Jérôme. C'est l'une des grosses tendances, l'un des gros thèmes de ce CES de Las Vegas. On en parle avec nos invités. À tout de suite. On ne compte plus maintenant les objets connectés, les capteurs, les systèmes qui rendent la maison intelligente ici au CES de Las Vegas, hein, Jérôme. Il y a vraiment c'est à de tout. Tous les coins de salons, de stands. Exactement. En plus, et précisément là où nous trouvons, hein, parce qu'on est dans le secteur de la maison connectée. Alors, des choses qu'on a déjà aperçues l'année dernière, il y a aussi du Alexa, on parle d'intelligence artificielle pour la maison, etc. On va parler justement de la manière de piloter ces objets connectés dans un instant avec notre invité Éric Desnoyers. Bonjour. 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 De Alors la société êtes... Autodo. Voilà, vous êtes venu avec Autodo. C'est ce petit boîtier qui est là. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis, on a le plaisir aussi d'accueillir Lionel Paris. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour de Lionel. De Netgear. Oui. Voilà. Alors, Netgear, c'est un peu l'autoroute de tous ces objets connectés. Oui, bien sûr. Hein, Netgear, vous connaissez bien. Hein, c'est le réseau, c'est le Wi-Fi, etc. Les caméras. Arlo, les caméras aussi. Des systèmes de routeurs qui vous permettent d'avoir du Wi-Fi partout dans la maison. Netgear qui est une boîte américaine. Hein. Tout donc à fait. Vous êtes très présent, enfin vous êtes présent en masse ici. Forcément. Puisqu'on a plus de 200 personnes, siège basé aux États-Unis. Oui. Il y a beaucoup de monde, l'ingénieur, les chefs produits, tout le monde est là. C'est la fête. Alors, c'est la fête. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu la fête hier, Lionel, non? Alors c'est aussi un peu la fête hier parce que le salon était fini pour nous. Donc c'est pour ça que voilà. C'est pour ça, d'accord. Donc bah, Lionel a dormi 15 minutes. Hein, c'est à peu messieurs. Près ça. Je pense qu'il va falloir lui donner les petites pilules, la petite crème là pour le visage dont on parlait tout à l'heure. Lionel, on plaisante, Lionel, bien sûr, tout va bien. Bien sûr. Et alors, quelles sont les nouveautés que Netgear a présentées cette année? On a 3 nouveautés majeures au CES. On continue d'améliorer le système Orbi, que vous connaissez bien. Il y avait une des demandes qui était majeure, c'était de pouvoir étendre la couverture Wi-Fi à l'extérieur du domicile. Et donc maintenant, on arrive avec une version d'Orbi qui s'appelle le Orbi Outdoor, qui est ni plus ni moins un satellite additionnel qui s'ajoute à n'importe quel système Orbi existant. On va pouvoir le fixer au mur de la maison si on veut. On peut le poser. Et du coup, on arrive à avoir un produit qui est étanche. On va le mettre droit pour que ça va répondre à des besoins. JD puisse le filmer tranquillement. Hop. Voilà.
Et, ouais. et donc ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça c'est l'ancien Orbi. Voilà, ça, pas l'actuel. Ça c'est l'Orbi qu'on connaît, que vous avez testé. On connaît, voilà, d'accord. Et donc, on rappelle ce que c'est. On en branche un des deux, je sais plus lequel. Sur la box. Lequel, le petit? Voilà. Le petit. Non, non, ça c'est le nouveau. C'est autre chose. Il y en a deux comme ça. Ah, bon, on en met un sur la box. On en met un sur la box. Voilà. On en met un autre là où on veut. On monte à l'étage, on met le deuxième. Voilà, et ça fait un pont. Ça fait un pont Wi-Fi. Ils s'interconnectent entre eux. Et ensuite, on a un réseau Wi-Fi à la maison de qualité. Et avec du débit. Donc maintenant, on peut ajouter ça pour aller en plus dans le jardin. C'est ça. Ce qu'on ne faisait pas, c'est qu'on ne passait pas à l'extérieur. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des connexions permanentes. En fait, c'est quoi ? C'est une antenne plus puissante. C'est celui-là, juste dans un casier qui a été certifié IP68, tout à fait. D'accord. Et il est conçu, créé pour être installé. Quelle peut être la distance entre l'orbi de départ et celui-ci, l'orbi d'arrivée? Ça va être la limite liée à l'infrastructure de la maison. Oui, si on a des gros murs béton. Un orbi standard porte 350 mètres carrés. Donc, en fonction du nombre de murs, on va pouvoir placer ce orbi à l'extérieur du domicile. D'accord. Et en plus, on a rajouté des petites lumières d'ambiance sur le dessus et le dessous. Oh là donc, là. Une fois que c'est posé sur un mur, ça a un peu l'effet aussi ambiance, mais ça fait aussi le Wi-Fi. Et c'est un relais extérieur. D'accord. Donc en gros, avec ça, on a autant, on a un aussi bon Wi-Fi dans le jardin, maison, au bord de la piscine, si on a la chance d'en avoir une, qu'à que à l'intérieur tout en fait. Fait. C'est ça. Hein, ça c'est ça qui est top. Tout ça arrive quand, Lionel? Alors dispo fin du premier trimestre. Donc c'est vraiment très proche. D'accord. Okay, et on a une idée du tarif ou pas? On sera dans les 300 euros. 300 euros pour le satellite additionnel, qui lui fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme. Quelle que soit la génération d'orbi qu'on propose. Ça, c'était donc la première nouveauté. Voilà, la deuxième. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est un orbi un petit peu plus compact. Oui. Parce que ça, c'est celui d'origine que vous avez testé. On couvre 350 mètres carrés. Donc, 6 gigabits de Wi-Fi au total. Tout le monde n'a pas besoin de cette puissance. Il y a des domiciles un peu plus compacts. Donc là, une version un peu plus compacte, 200 mètres carrés de couverture et un Wi-Fi qui fait plus de 4,4 gigabits. Donc, ça suffira largement à partir du moment où on n'est pas dans des résidences où il y a ce phénomène d'étage, appartement en L, où il y a des murs à passer. Ça suffira. Ça permet d'avoir une solution un peu plus abordable, j'imagine. Et bien évidemment. Mais c'est peut-être le point faible de ce système Orbi, c'est que ça coûte quand même assez cher. On est d'accord que le pack de deux traditionnel, on est à plus de 400 euros. Là, je suis avec un produit qui va être lancé à 249 euros en pack de deux. Comment savoir lequel je dois acheter ? Ben, je dirais que en fonction, la taille de la maison va vraiment déterminer le choix du produit et surtout si on est sur une problématique d'étage et de multiniveau. Il faut faire des essais. Est-ce que si j'achète le petit et que ça ne va pas, je peux le rapporter? Bien sûr. Chez l'intégralité de nos partenaires, on peut tout à fait prendre un produit et ensuite retourner pour prendre un deuxième. Très bien. Voilà. Ok. Donc ça arrive aussi, j'imagine, assez rapidement. Là, c'est mois de février. Ça va être très, très rapide. Parfait. Donc le c'est prix, bien parce on que l'a dit 249 euros pour le pack la de paire, deux. La paire. Ouais, tout à fait. Une solution Orbi qui est vraiment excellente. Si vous avez des problèmes de Wi-Fi, ça vous règle vraiment pas mal de soucis. Il y avait trois nouveautés. Voilà, il y en a une troisième. Et une troisième. Donc, à chaque fois, c'est un peu le David Copperfield du boîtier. Hein, et donc Lionel. Là, on est un nouveau design. Voilà, on est un peu moins dans le JD, produit. Il faut nous montrer ça à l'image. On est un peu moins dans le design Orbi, produit blanc. À l'envers, là. Là, on est sur un produit. On est sur un produit gamer. C'est tout simplement l'évolution du réseau filaire. On parle souvent de Wi-Fi. Maintenant, le réseau filaire qu'on utilise à la maison, c'est à plus de 17 ans. Donc là, c'est un switch qui va tout simplement vous permettre de multiplier le débit du réseau filaire par 10. En fait, c'est des switches 10 gigabits. Et ça arrive pour le marché du grand public. Il faut que j'ai les câbles compatibles derrière. Absolument pas. Puisque en fait, c'est la nouvelle norme qui s'appelle le 802.3BZ qui est sortie l'année dernière et qui permet de faire tourner ces débits-là sur votre câblage existant. Non. C'est compatible sur du catégorie 5 et 5E. C'est ça l'innovation. C'est pour ça que le 10 gigabit n'a jamais percé chez le particulier. Ça nécessitait un câblage spécifique. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui. Donc voilà, on en a 6 en tout. J'ai juste ramené celui-ci aujourd'hui. Voilà. Très bien. Parfait, très concret. Alors on se dit, ça sert à quoi 10 gigabits? Parce que déjà, même si on a du 1 gigabit, c'est quand PME, même plutôt peut-être. Cool. Alors un particulier qui fait des très gros transferts de fichiers, à partir du moment où on fait de la vidéo en 4K, on a un NAS à la maison, un ordinateur, on stocke tout sur le NAS. La plupart des NAS sont équipés de ce genre de port aujourd'hui. D'accord. Ça va permettre d'accélérer le débit et les transferts. D'accord. Parfait. Et là aussi, quel type de prix? Alors, sur cette gamme-là, on a 6 produits différents. On démarre à 199 euros sur des modèles 10 ports et on va jusqu'à 349 euros. Donc, il y a une palette de produits en fonction du nombre de ports et des besoins. Eh bien, voilà, les nouveautés Netgear. Sympa. Merci beaucoup, Lionel. Merci à vous. Vous restez avec nous parce qu'on parle de réseau, de qualité de Wi-Fi. Éric Desnoyers, bonjour. Bonjour. C'est hyper important d'avoir un très bon réseau aujourd'hui Wi-Fi à la maison. Tout pour ça qu'on trouvait
plutôt malin de, après de vous recevoir, parce que justement, vous, c'est le, votre force, c'est de pouvoir connecter les objets connectés qu'on a à la maison. Exactement. Le Wi-Fi apporte la connectivité réseau vers le cloud, comme on dit, hein, vers les applications. Et puis, Autodo, eh bien, ça permet d'utiliser cette puissance, ce Wi-Fi, ce réseau, eh bien, pour connecter les objets du quotidien. Alors, donc, Autodo, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'ambition de diffuser, vous savez, la smart home, la maison connectée, au grand public. Vous savez, la maison connectée, historiquement, c'était un peu geek, un peu compliqué. Ouais, ça l'est toujours encore un peu, même si c'est génial, mais c'est toujours un petit peu compliqué encore. Exactement. Et on sent aujourd'hui que la technologie est là, qu'il y a beaucoup d'usages possibles. C'est le moment de rendre ces usages accessibles au plus grand public. Alors pour cela, eh bien, un des sujets les plus immédiats, c'est que ça puisse marcher chez vous. Vous pouvez avoir un assistant vocal de type Google Home déjà en France, mais ce n'est pas Google Home qui pourra fermer vos volets que vous avez achetés il y a 10 ans. Tout à fait. Même s'ils sont déjà télécommandables. Et pour cela, il vous faut Autodo. Autodo, c'est quoi ? Donc, c'est une plateforme qui prend la forme d'un petit hub que peut-être on voit à l'image. Oui, on l'a vu. Très bien. Et qui, en fait, se connecte au Wi-Fi, avec le Wi-Fi qu'on a vu tout à l'heure ou n'importe quel autre, et puis qui traduit tout cela dans un langage qui permet d'être connecté à des objets anciens comme modernes. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que tous ces objets connectés, Jérôme, tu en sais quelque chose, oui, n'ont pas le même langage. Exactement. Alors, donc vous êtes un peu l'interprète de tout ça. Voilà, on est un traducteur universel, si vous voulez. Et c'est une box domotique, c'est ce qu'on appelle une box domotique. Alors, je n'aime pas trop ce terme de box domotique parce que... Attention. Parce que là, nous sommes, vous voyez, cet objet, c'est un objet tout petit. On peut en mettre plusieurs dans la maison. D'accord. C'est comme un extender Wi-Fi. Il vient simplement augmenter la faculté du réseau à communiquer avec les objets. Et il permet de tout ramener sur une application. Alors attendez, j'ai chez moi interrupteur connecté, volet roulant, voilà, trucs comme ça. Bidou. Voilà. Ok. Tout à fait. Jusqu'à présent, j'ai besoin d'avoir une box domotique pour les piloter. Et souvent la box domotique du constructeur chez lequel vous avez acheté les objets. Oui, alors il y a aussi ou éventuellement box quelques qui font box un tout, petit peu complexes. Oui, oui. Et donc votre produit, il se met où par rapport à ça ? Alors il se met. Je peux dans ranger la maison... ma box domotique ? Alors si vous avez déjà une box domotique, le sujet n'est peut-être pas le plus immédiat parce que vous avez déjà la fonction. Par contre, si vous n'avez pas de box domotique, oui, mais que vous avez acheté simplement des lampes Philips Hue, par exemple, eh bien, ou une serrure connectée, alors elle va fonctionner avec l'application qui est fournie par le constructeur. Oui. En mettant Autodo, tout va venir sur une application unique, y compris des objets seulement télécommandables ou d'autres objets connectés que vous avez achetés par ailleurs. Et donc, tout va être ramené sur un seul point, sur une seule application, avec la compatibilité ramenée sur un seul point avec tout ce que vous avez acheté. Et que ça soit un objet ancien ou récent. Ou récent, d'accord. Donc ça, c'est l'innovation. Est-ce que c'est lié avec ma box Internet ? Alors oui, parce que la box Internet, eh bien, elle va en fait vous permettre de faire le Wi-Fi. Mm-hmm. Qui va lui-même connecter le traducteur au réseau. D'accord. Donc vous avez besoin de ça. Derrière, nous avons une application qui permet de piloter les objets, de créer des scénarios tout simples. Je pars de chez moi, les volets sont ouverts, les volets sont fermés, j'éteins les lumières, je baisse le chauffage, de manière extrêmement simple. Mm-hmm. Alors, au-delà de cela, nous avons introduit pour cette année au CES ce petit objet. Deuxième petit produit qu'on va montrer, qu'on aperçoit on le voit, ici. Pour lequel nous avons reçu un Innovation Award au CES cette année et qui est. Donc il s'appelle Hugo. Ce petit objet s'appelle Hugo et c'est une télécommande universelle. D'accord. Pour la maison qui parle à Autodo et qui en fait envoie ses ordres en détectant les gestes et l'endroit où on est dans la maison. Donc l'usage, c'est très simple. Je rentre à la maison, je prends le Hugo qui est sur la commode, je tapote sur la commode, eh bien ça va remonter le chauffage, ouvrir les volets, mettre les lumières. C'est rigolo, c'est un petit peu le système dont on parlait qui s'appelle Knoki, qui est juste en dessous. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, alors sauf que la grande différence, c'est que cette télécommande détecte l'endroit où on tape. Donc, vous allez dans le salon, vous tapez sur la table du salon, c'est une autre commande. Vous allez dans la chambre, vous tapez sur la table de nuit, c'est une autre commande. Encore faut-il prendre l'appareil avec soi. Oui, ou en avoir quelques-uns dans la maison. Alors, si on a un palais de 300 chambres, il faut en avoir quelques-unes. Bien sûr. Dans un appartement normal, deux Hugo suffisent. D'accord. Hein. Ça s'appelle Hugo.
Alors, on l'appelait Hugo, voilà. D'accord. Et si on a déjà un enfant qui s'appelle Hugo, on fait quoi? Voilà. Là, tu ne peux pas le rebaptiser. Tu le mets dehors, ton enfant. On fera vite la différence, je pense. Okay. Et alors, il y a un détecteur d'empreintes qui permet de sécuriser la commande si on veut l'associer à des choses un peu sensibles, pour pas que les enfants fassent des bêtises. Par exemple, verrouiller la porte, arrêter le chauffage, des choses de ce type-là. C'est une télécommande pour la maison. C'est une télécommande pour la maison, géolocalisée. C'est la première fois que non seulement on parle aux objets avec un traducteur universel, mais qu'en plus, on géolocalise les objets avec lesquels on parle. C'est assez malin. Eric, l'objectif pour vous, c'est d'aller voir les opérateurs télécoms et puis implémenter votre technologie dans les box. Alors, c'est ça ? C'est très intéressant. En fait, moi, je suis convaincu... En quelques mots. Alors, je vais aller très vite. Je suis convaincu que ces usages vont se développer s'ils sont diffusés par des spécialistes des services qui, aujourd'hui, dans l'Europe de l'Ouest, en Nord-Amérique, a parlé à tout le monde, a diffusé à tout le monde des services numériques. Ce sont bien les opérateurs de télécom qui ont mis un accès Internet dans chaque maison, qui ont mis un téléphone dans la poche de chaque client. Ce sont eux qui peuvent diffuser de manière massive à tout le monde de nouveaux usages de ce type-là. Il faut taper plus doucement. Oui. Et je crois qu'il vous l'a cassé. Non. Voilà, ça y est, il a trouvé le bon rythme. Voilà, c'est ça. Et c'est ainsi que nous nous associons à des opérateurs de télécommunications pour qu'ils diffusent ce service comme un service additionnel au service d'accès à l'Internet. Et effectivement, il y a des projets déjà en cours pour que ce petit hub soit directement dans la gateway, voilà, dans la gateway d'accès IP. Donc demain, Livebox, Freebox, etc. Pourront SFRbox devenir des box domotiques. Oui, en France, mais Proximus, Charter Communications. Oui, enfin tous les grands opérateurs mondiaux. Tous les grands opérateurs dans l'Occident, voilà. Merci beaucoup, Eric Desnoyers. Eric, est-ce que votre système est compatible avec Netatmo ? Faites attention à ce que vous dites, parce que vous avez le patron d'Netatmo qui est juste là. Et on se connaît depuis quelques années, n'est-ce pas ? Bonjour, Fred Potter. La réponse, alors, bonjour. Il se trouve que Netatmo a choisi d'ouvrir son service, comme l'a fait Nest, avec des API directement disponibles dans le cloud, ce qui fait que de cloud à cloud, on est directement, compatible avec les commandes simples de Netatmo, tout à fait. Fred Potter. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Zeronet TV. Merci. Talentueux entrepreneur, voilà, qui... fait évoluer Netatmo, on connaissait les thermostats connectés, les stations de météo connectées qui ont rencontré un énorme succès. Et donc là, on va parler de cet accord que vous avez avec Legrand, qui se concrétise, que vous aviez annoncé l'année dernière. Et puis, une nouveauté, vous rendez maintenant les chauffages connectés. Chauffage électrique connecté, c'est ça ? Alors effectivement, donc Netatmo, c'est une société qui déploie des produits sous sa propre marque, des produits dans le monde de la sécurité ou du chauffage. On avait beaucoup travaillé ces dernières années sur le chauffage en ayant des solutions pour les chaudières à gaz, pour le chauffage collectif avec nos vannes thermostatiques de radiateurs. Et cette année, on a introduit avec un partenaire, donc le groupe Müller, une solution pour le chauffage électrique. Qui est un des plus gros fabricants de radiateurs électriques. Hein. Alors, exactement. Il y a plein de marques, Les deux plus grands fabricants de radiateurs électriques au monde sont français. La France a une longue histoire dans le chauffage électrique. Le groupe Müller, c'est une société qui a 60 ans, qui est connue sous les marques Noiro, Campa, Erelec et Aplimo, qui sont donc quatre marques de radiateurs électriques. Ces radiateurs, depuis une dizaine d'années, disposaient d'un slot dans lequel on peut glisser un module. Et Netatmo a donc co-développé avec le groupe Müller ce module pour pouvoir connecter donc tous les radiateurs existants vendus depuis 10 ans, mais aussi les nouveaux radiateurs. C'est-à-dire que si j'ai un ancien radiateur de l'une de ces marques, je peux acheter votre module Netatmo, le mettre dedans et mon radiateur devient connecté comme par magie. Exactement. Donc l'avantage, effectivement, c'est de pouvoir travailler sur le parc de radiateurs vendus, qui est déjà très important, et aussi de vendre, probablement dans la distribution professionnelle en grande surface de bricolage, des radiateurs directement connectés. Bien sûr. Fred, connecter son chauffage, nous, ça nous paraît évident. Mais tous ceux qui nous écoutent, à quoi ça sert vraiment et quels sont les types de scénarios qu'on peut imaginer avec un chauffage qui devient connecté ? Alors, on parle beaucoup de réduction de gaz à effet de serre, d'amélioration du logement. Nous, nos clients, lorsqu'ils connectent un thermostat gaz, on mesure sur le parc 300 euros d'économie d'énergie pour un client français qui met du gaz. Donc première chose, on fait des économies. On fait des économies. Alors c'est la première et entre guillemets ça peut s'arrêter là puisque quand vous avez investi 179 euros dans un thermostat connecté et que vous avez dès la première année 300 euros d'économie de gaz, ça justifie l'achat.
Alors pourquoi est-ce que le radiateur, le chauffage connecté fait réaliser des économies d'énergie ? Et bien parce qu'on évite de chauffer les bâtiments quand ils sont vides, parce qu'on coupe le chauffage quand on part une semaine. C'est-à-dire que d'un clic, on le met en mode vacances, ou on éteint les pièces où il n'y a personne, on les baisse, etc., etc. Exactement. Dans le cas de Müller, en plus, sur chaque radiateur, on a un détecteur de présence. Donc on va voir les pièces dans lesquelles il y a du monde, les pièces dans lesquelles il n'y a pas de monde, pour ajuster le réglage du chauffage électrique. D'accord. Ouais, super. Et puis il faut savoir qu'en fait la possibilité de régler de manière centralisée le chauffage, ça existe avec le gaz et le je sais pas quoi, le fuel, mais pas avec l'électrique jusqu'à présent, ou très peu avec l'électrique. Alors il y avait des gestionnaires d'énergie effectivement qui permettaient d'avoir une gestion centralisée du chauffage électrique mais non connectée, et on vient finalement mettre l'intelligence directement dans le radiateur, ce qui nous semblait être la meilleure architecture, et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec un fabricant de radiateurs électriques. Fred, il faut mettre un capteur sur chaque radiateur de la maison ou pas ? Sur chaque radiateur électrique, effectivement, il faut introduire une petite cassette. Si les radiateurs sont déjà reliés entre eux par un fil pilote, à ce moment-là, une seule cassette suffit. Si les radiateurs ne sont pas connectés par un élément d'infrastructure dans les murs, il faut mettre un élément dans chaque radiateur. Et si j'ai un radiateur d'une autre marque, est-ce qu'un jour vous ferez quelque chose pour ce type de produit ? Alors, si vous avez un radiateur d'une autre marque en fil pilote, le module va le piloter. D'accord. Bon, alors, vous faites à peu près tous les systèmes de chauffage. Il manque les clims maintenant. Les clims et les systèmes de... Enfin, il est intéressé, chaleur, là. Comment ça s'appelle ? Pompe à chaleur, c'est ça ? Alors, on fait déjà les pompes à chaleur avec le thermostat Netatmo, qui a un mode spécifique pour le fonctionnement sur pompe à chaleur. Il nous reste la clim, effectivement. On a fait tout le reste. Voilà, donc... Vous y travaillez ? C'est pertinent ou pas ? C'est un truc qu'il faut regarder, oui. Parce qu'ici, par exemple, aux US, ils ont beaucoup ce genre d'installation, non ? Alors, ce qu'on voit, c'est que le marché du chauffage est complètement différent en Amérique du Nord et aux États-Unis. Nous, aujourd'hui, nos produits de chauffage ne sont pas vendus en Amérique du Nord. Pourquoi ? En Amérique du Nord, on souffle de l'air. En Europe, on fait circuler de l'eau. Et voilà, c'est ça. On a du chauffage électrique par convection, ce qu'ils ont très, très peu en Amérique du Nord, un tout petit peu au Canada. C'est vraiment des systèmes complètement différents. Les interfaces électriques sont différentes. Aux États-Unis, les thermostats sont présents dans chaque pièce, ils sont alimentés. En Europe, il y a plutôt des thermostats sans fil. Ils sont en général non alimentés. Donc, c'est vraiment des systèmes différents. Chez nous, les maisons sont en pierre, elles ont beaucoup d'inertie. Chez eux, elles sont en bois, elles ont très peu d'inertie. Mmh. Donc, on est vraiment sur le chauffage dans des mondes assez distincts. Oui, c'est très hétéroclite. Oui. Vous connaissez très bien le milieu des objets connectés, etc. Vous êtes un pionnier dans ce domaine en France. Que pensez-vous de l'arrivée en masse de ces assistants vocaux, Amazon Alexa, Google Home, bientôt Apple, etc. Je sais que vos appareils sont compatibles HomeKit. Est-ce que vraiment l'interface voix va piloter demain toute notre maison ? Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est une vraie révolution ? Alors, c'est une vraie révolution. Nous, aujourd'hui, on a un axe stratégique majeur qui consiste à s'intégrer dans toutes les grandes plateformes et d'assistants vocaux et de chatbots. C'est-à-dire que nos produits sont compatibles avec Apple HomeKit, ils sont compatibles avec Google Home, ils sont compatibles avec Amazon Alexa. Et maintenant, ils sont aussi accessibles directement depuis Facebook à travers un chatbot qui permet de parler en langage naturel. Piloter son chauffage avec un chatbot. Exactement, donc vous êtes dans le métro, vous n'allez pas parler, vous allez envoyer un texte, j'arrive, et automatiquement, votre maison va se remettre à température. Qu'est-ce que je lui dis ? Je dis allume le chauffage du salon, par exemple ? On lui dit ça, on lui dit allume le chauffage du salon, mets le chauffage du salon à 20 degrés, ou alors on lui dit je rentre chez moi, j'arrive bientôt. D'accord. Et à ce moment-là, il va automatiquement exécuter un scénario d'entrée dans la maison. Il fait le dîner aussi ? Non, il ne fait pas le dîner. D'accord. C'est un vrai cas d'usage, ce n'est pas un gadget. Quand vous regardez tel que vous le décrivez, absolument. Quand vous regardez aujourd'hui sur les assistants vocaux, le premier usage des assistants vocaux, il y a eu une étude aux États-Unis où il y a maintenant des millions de clients, c'est d'écouter de la musique. Donc vous dites Alexa, joue-moi sur Spotify tel titre ou tel titre. Ça, c'est l'usage numéro 1. L'usage numéro 2, c'est le pilotage de la maison connectée. Oui, et notamment les lumières qui marcheraient très bien avec le Philips Hue notamment. Les lumières, le chauffage, l'ensemble des produits de maison ont vocation à être pilotés par les assistants. Fred Potter, les chatbots, la reconnaissance vocale, c'est quoi la prochaine interface ? On parle beaucoup d'intelligence artificielle et de capteurs. Parce que là, on interagit avec les appareils. Mais demain, l'idéal, ça serait peut-être de ne plus interagir et que la maison anticipe nos désirs, nos besoins.
et qu'elle sache quand il y a quelqu'un à la maison qui vient de rentrer, elle met en route le chauffage, ou qu'elle voit qu'on va bientôt rentrer parce qu'on a un smartphone qui est connecté avec le GPS, etc. C'est que c'est ça la prochaine étape ou pas ? Alors nous, on croit beaucoup à l'image. On a toute une gamme de caméras avec de l'intelligence artificielle. On a des caméras d'extérieur qui détectent les voitures, qui détectent les piétons, qui détectent les animaux et qui peuvent, dès aujourd'hui, c'est disponible à la vente, enchaîner des scénarios sur l'arrivée d'une voiture, sur l'arrivée d'un piéton devant la maison. On a aussi une caméra à reconnaissance faciale qui se met dans la maison, qui donc non seulement voit passer les gens, mais aussi sait dire c'est Pierre, c'est Paul ou Jacques, et avec IFTTT ou d'autres plateformes, enchaîner des scénarios. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une réalité. Est-ce que demain, nos caméras, elles verront que vous avez froid ? Est-ce qu'elles verront comment vous êtes habillé ? Est-ce qu'elles adapteront le chauffage ? C'est peut-être pas qu'elles verront, mais c'est l'intelligence. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Et pour nous, l'intelligence artificielle dans la maison, c'est grâce à l'image. C'est d'accord. Grâce à la moi, caméra. Ce que j'aimerais bien, vous savez, c'est souvent on est chez soi et puis la température est comme d'habitude, mais on a l'impression d'avoir froid ou on a l'impression d'avoir chaud. Il faudrait que le chauffage puisse s'adapter à notre température ressentie, en fait. Ça viendra. Avec des petits capteurs à porter sur soi, etc. Maintenant, il faut être très précis sur à quoi ça sert. Aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement de scénarios futuristes de ce type-là. On a 2,5% de l'habitat européen qui a un objet de maison connectée. Oui, la marge de progression voilà. Est confortable, on va dire. Donc, on a une confortable marge de progression. Et pour ça, il faut faire des produits qui soient simples, qui apporte un bénéfice clair. Aujourd'hui, le bénéfice sur le chauffage connecté, c'est clairement les économies d'énergie. C'est une catégorie qui croît très vite. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment utile, c'est pas gadget. On n'a pas, je dirais, à expliquer 100 fois qu'en investissant 179 € dans un thermostat, on va gagner 300 € sur sa facture de gaz. C'est un vrai argument qui fait rentrer ces produits dans le grand public. Voilà. Et on le voit aussi avec la commande vocale. La commande vocale pour allumer la lumière, comme on le fait avec le groupe Legrand à travers un produit qui s'appelle Celian ou Isnetatmo, qui est une gamme d'appareillages gamme d'appareillage connecté. C'est un vrai usage. Vous êtes dans la cuisine, vous avez les mains sales, et vous pouvez dire allumer la lumière. Pour beaucoup de personnes pour lesquelles se lever et aller appuyer sur un interrupteur est un sujet, la commande vocale. Mais quand on a goûté à ça, on adore, hein. On revient pas en arrière. Ça exactement. N'empêche pas d'utiliser parfois l'interrupteur, mais vocalement, c'est top. Et donc, ce qu'il faut, c'est concentrer nos efforts sur des cas d'usage simples qui ont une vraie valeur ajoutée pour les clients. Et puis, la technologie va évoluer et on aura des scénarios de plus en plus intégrés qui vont arriver avec le temps. Merci beaucoup, Fred Poser. Merci, Fred. Vous pouvez rester avec nous quelques minutes parce que j'imagine que vous connaissez bien notre invité qui est juste là, Emmanuel Ballandras. Bonjour. 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 Alors, vous représentez la société Legrand. Vous êtes directeur absolument. Des partenariats chez Legrand. Alors, Legrand... Est-ce qu'on présente encore les interrupteurs, les équipements électriques de la maison et des bâtiments ? C'est bien ça, hein, pour résumer en quelques mots. On aime bien se présenter comme spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Bâtiment prenant le sens très large de tertiaire, résidentiel, collectif, individuel. Très bien. Alors depuis quelques années déjà, vous présentez des solutions vraiment connectées, numériques, interrupteurs connectés. Vous avez à Paris, à Issy-les-Moulineaux, récemment livré... un appartement neuf, BNP Paribas Immobilier, je crois, totalement équipé, prééquipé de solutions connectées Legrand. Quoi de neuf au CES 2018 ? Alors, merci de rappeler ce parcours. Effectivement, on avait d'ailleurs l'année dernière annoncé qu'on ferait une avant-première mondiale avec BNP Paribas Real Estate. On l'a réalisé, on a livré en octobre donc ce premier bâtiment totalement équipé en Celian with Netatmo, produit développé en partenariat avec Netatmo. Les gens au quotidien vivent avec ce produit. Alors, il est encore un peu tôt, bien entendu, pour avoir un retour d'expérience. Mais tous les cas d'usage dont parlait Frédéric tout à l'heure sont réels, on les mesure et on voit que tout ce qui est pilotage par la voix, notamment, est particulièrement excitant pour les utilisateurs. D'ailleurs, on voit du Google sur votre stand. Hein. Absolument. Vous voyez Google, vous voyez également Alexa, vous voyez Siri qui, justement, est le mode prochain, de pilotage par la voix que l'on a choisi. Enfin, l'actuel et le prochain quand tu auras lancé un absolument, connecté. Absolument. Ça change complètement votre métier, tout ça. Et ça change notre métier. En même temps, ça fait très longtemps qu'on est dans le bâtiment intelligent, si vous regardez. On a eu des offres domotiques depuis longtemps. En tertiaire, on a eu des offres de détection de présence, qui sont un peu des ancêtres des offres immotiques, domotiques, smart home d'aujourd'hui. Et donc, on a toujours eu cette appétence pour les systèmes intelligents qui permettaient aux gens de mieux vivre chez eux ou de mieux vivre leur expérience de travail dans le bâtiment. D'accord. Alors, vous avez présenté de nouveaux produits à ce salon au CES donc 2018. Vous pouvez nous les présenter ? Bien sûr. Alors, donc, Celian with Netatmo,
portier vidéophone connecté et thermostat connecté dans l'offre française sont les trois éléments qu'on met le plus en avant dans ce stand-là. Et je dirais que là, pour la première fois, probablement, l'une des plus grandes nouveautés qu'on présente, c'est un portail Works with Legrand qui permet à d'autres entreprises de venir prendre l'intelligence des produits Legrand et les mélanger avec d'autres produits et ou services qui permettent une réelle expérience utilisateur. Et je crois que Legrand a réalisé que nous sommes des instruments, des fabricants d'instruments, mm-hmm. et que nous faisons partie d'un orchestre qui permet... Une belle image. Exactement, c'est une image qui est sympathique d'être mélangée avec d'autres instruments et que des chefs d'orchestre viennent piloter nos produits et d'autres produits pour créer une expérience. Donc évidemment, il faut de bons musiciens. Il faut de bons musiciens et il faut un chef d'orchestre. Et il faut un chef d'orchestre. Vraiment, on voit que les grandes marques aujourd'hui ne cherchent plus à rester dans leur précaré, mais au contraire à s'ouvrir au maximum vers les acteurs extérieurs. Vous devez vous faire un petit peu violence, non, d'un point de vue culturel ? Non. On a compris. On a compris chez Legrand, et je veux dire, avant pas mal d'autres, que l'eau électricité ne pouvait pas à lui seul apporter toutes les solutions d'un logement connecté. Je vais vous donner un exemple. Ah, oui, d'accord. On a récemment livré 29 villas à Toulouse. 29 villas à Toulouse équipées de Celian with Netatmo, d'un thermostat qui est le thermostat de Fred Potter de Netatmo. Et le promoteur immobilier nous a expliqué que pour une véritable expérience utilisateur, il faudrait que l'habitant puisse à la fois agir sur les produits Legrand et sur le thermostat Netatmo d'une autre marque pour avoir un véritable cas d'usage, comme par exemple, je pars en vacances. Et La Poste, qui est notre voisin ici, oui. a livré l'application et en appuyant sur le bouton vacances tranquilles sur l'application d'Ocapost, on agit sur les produits Legrand et sur les produits Netatmo pour vraiment mettre la maison en veille. On n'a qu'un bouton à actionner. Ça, c'est génial. Et c'est rendu possible. On coupe tout. Et c'est rendu les possible lumières, ce le bouton chauffage. Grâce à Works with Legrand et à la possibilité pour La Poste de venir chercher les produits Legrand pour les intégrer dans un écosystème plus large. Ouais. Emmanuel, le bouton, c'est bien, mais est-ce que demain, vous travaillez sur une solution, on n'aura même plus à appuyer sur un bouton, j'en parlais tout à l'heure avec Fred Potter. Ça serait l'idéal quand même qu'on oublie d'appuyer sur un bouton, mais que malgré tout, il y a une espèce d'intelligence qui soit là et qui détecte qu'il n'y a plus personne. Donc, OK, il n'a pas appuyé sur le bouton, c'est pas grave, moi je le fais. Alors, je ne sais pas si ça serait bien. Nous sommes des fabricants d'interrupteurs. Je me rappelle qu'il y a 5 ans... Oui, mais bon, l'interrupteur, il sera toujours quelque part, même s'il si sera moins visible, bien peut-être. Sûr. Je suis l'interrupteur. Je serai l'interrupteur. C'est ça. Ça fait quelques années que je suis dans le domaine du smart home et de la domotique. Mmh. Et je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on me brandissait le smart home en me disant, regarde, le smartphone, pardon. Et on me disait, regarde, Emmanuel, le smartphone est là. Et globalement, soit on va oublier l'interrupteur, soit on pourra se servir de l'interface téléphone seulement. Voilà. Je pense qu'il y a des visiteurs dans une maison. Exactement. Il y a des gestes séculaires également. Mais bien sûr, oui. Et c'est pas où, c'est et il y a de nouvelles interfaces. Oui, oui. Le smartphone en est une, la voix en est une autre. On en a largement parlé avec Fred tout à l'heure. Et tout ça peut cohabiter. Et tout ça peut très largement cohabiter. L'interrupteur n'est pas menacé, je pense. Et l'interrupteur n'est pas menacé, non. D'autant qu'il évolue, il devient sans fil. Il évolue, il devient intelligent, etc. Au sein d'une infrastructure connectée, ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut rajouter des interrupteurs là où on a décidé qu'il y aurait des interrupteurs et pas où l'installateur avait décidé qu'il y aurait des interrupteurs. Ça, c'est par contre extrêmement intéressant. Le jour où vous avez à faire ça pour les prises de courant, là, ce sera bien aussi. C'est plus compliqué. Mais cela dit, on voit maintenant des solutions d'électricité sans fil. J'imagine que vous avez un petit peu sillonné les allées de ce salon. Il y a des solutions d'électricité sans fil. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver ? On a une offre sans fil. Je parle d'électricité sans fil. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une start-up. Qui propose une recharge de smartphones, de téléphones, de petits appareils parce qu'il y a avec la lumière. Une lampe qui envoie par infrarouge de l'énergie sur les smartphones, qui capte cette énergie, qui se recharge donc sans induction et sans fil. Les sources d'énergie vont maintenant se multiplier. Elles seront parfois sans fil. On pourrait parler également de photovoltaïque et de solutions comme ça. C'est évident. On est prêts, nous, parce qu'à côté de ces solutions-là, il faudra quand même toujours une infrastructure, forcément. Bien sûr. Et par contre, on regarde avec beaucoup d'attention. J'ai passé beaucoup de temps avec les startups pour regarder les cas que vous évoquez. On reste vigilant et on fera en sorte de pouvoir être des supports d'infrastructure pour toutes ces initiatives qui vont arriver. Rappelons que Legrand est une société qui existe depuis pas mal de temps. Hein. Depuis quelle année ? 100 ans. 100 ans. Voilà, vous êtes basé à Limoges. Absolument. Et vous vendez vos solutions partout dans le monde. Hein. Absolument. Vous êtes très présent aux États-Unis notamment. Absolument. C'est une belle réussite française, ouais, hein, Legrand. Tout à fait. On parle d'électricité. Est-ce que vous connaissez VoltaWare ? Absolument Emmanuel. Pas. Alors, écoutez attentivement, parce que c'est très intéressant. VoltaWare, c'est une start-up
Et nous avons avec nous Eleanor Schneiders. Bonjour Eleanor. Oui, bonjour. Expliquez-nous ce que vous proposez. Bon, en fait, c'est un capteur, un tout petit capteur qui s'installe dans la boîte à fusibles, dans le compteur électrique. Oui, exactement. Et après, on transforme les données électriques dans une, dans des informations utiles pour le consommateur. Ça veut dire qu'en fait, on a une application et aussi un email mensuel. C'est un service qu'on a lancé ce mois. On dit que c'est un élément smart billing avec un élément de désagrégation rétrospective. Oui. Donc, c'est compliqué ce mot. Hein. Ce mot est compliqué. C'est un grand mot. Vous êtes anglaise, c'est ça ? Oui, anglaise et allemande. Et vous parlez très bien français. Merci beaucoup. Bravo. L'idée, c'est de monitorer son électricité, c'est ça ? Ça indique la consommation ? Oui, exactement. C'est la consommation en temps réel. Et après, on a aussi le jour et le mois entier. D'accord. Mais alors, comment ça s'installe ? Est-ce qu'il faut faire venir un électricien professionnel ? Non. Dans ce cas ici, non, parce que c'est une installation très simple, de 5 minutes. Ça se je peux installer, moi, tout seul, encore, je m'en sortirai. Mais François Sorel, qui n'a jamais vu un tournevis de sa vie, pourrait s'en sortir également ? Oui. Oui ? Oui, de quelle manière ? Oui, parce que, en fait... Allez-y, expliquez, okay. Vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, il y a le petit capteur qui transmet le Wi-Fi les données. Ça se met dans le rail. Et après, on a les deux... Donc, c'est le petit truc blanc, c'est ça ? Oui, exactement. Ça, c'est le capteur qui se met dans le... Il y a les emplacements, c'est standard, hein, c'est standardisé. Oui, exactement. OK, et ça se met où, ça ? Ça se met sur la phase. C'est un capteur torique. Ouais. Et, alors là, tu m'impressionnes. Je t'épate. Mais c'est à fabriquer des compteurs électriques ou quoi ? C'est mis sur les vis. Ouais. Donc ça se met... Ça, par contre, je ne sais pas bien où je le mettrai, en fait. Il faut un câble d'arrivée électrique. Tu verras quand tu le testeras. Mais alors, le fait de... David Noguera, qui est en coulisses, me dit sur le fil électrique qui sort du disjoncteur. Ah oui, il faut disjoncter avant, quand faut même. Pas il faut se tromper. Il faut couper l'électricité, je pense. Alors, on t'entend pas, David, mais j'imagine. Ouais. Il dit ce qui est malin, c'est les deux aimants. C'est-à-dire que je n'ai pas à couper le fil et à non, c'est non-intrusive. Voilà. C'est une solution non-intrusive. Je le plug par-dessus. Donc, il passe à travers le plastique, à travers la gaine du fil. Alors, Eleanor, pour qu'on comprenne bien, je branche ça. Alors, je ne sais pas trop comment, mais tu viendras me le brancher. Oui, je te le mettrai. Jérôme, sur le compteur électrique, d'accord ? Et après, tous les mois, je vais recevoir un petit email en disant « Attention, François, vous avez consommé tant d'électricité à la maison ». Mais est-ce que vous allez plus loin ? Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, que la consommation électrique vient plus du frigo que la machine à laver, de la télé ou je sais pas, la console de jeu du petit dernier ? Oui, on a développé un algorithme de machine learning qui vous donne précisément les données exactes sur votre frigo et aussi... D'accord. Mais attendez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que... On se plug juste sur le câble principal et on peut savoir combien consomme chaque appareil, chaque pièce aussi, j'imagine, peut-être. Non, c'est chaque appareil. Emmanuel Ballandras, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est très, très dans l'air du temps que de vouloir maîtriser, mesurer sa consommation. Sans installer une usine à gaz à la maison, c'est effectivement... Sans changer de compteur, de disjoncteur, tout ça. C'est effectivement prometteur et peut-être trouverez-vous également dans notre portail Works with Legrand des sources d'inspiration qui pourraient marier votre solution avec la nôtre et proposer un service intéressant pour les utilisateurs. Je sens qu'on a fait faire une rencontre technologique intéressante là. Mais c'est vrai que mesurer sa consommation électrique, c'est pas évident aujourd'hui. Non, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Notre offre d'interrupteurs et de prises connectées permet à la prise également d'avoir la consommation qui remonte sur le téléphone et la somme de toutes les prises. Mais je ne vois pas ça en frontal contre la solution qui vient d'être présentée. Je pense au contraire que c'est très complémentaire et ça serait intéressant qu'on puisse éventuellement discuter. Est-ce que je peux vous poser une petite question complémentaire technique sur le fait que ça mesure vraiment la consommation de chaque appareil ? Vous dites de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne va pas mesurer en réel. Donc il y a une analyse avec quel niveau de fiabilité ? Je pense qu'en ce moment... Parlez bien près du micro. Ah oui, on a une erreur de 0,5%. D'accord, et il faut une phase d'apprentissage ? Il faut un temps d'apprentissage ? Pas maintenant. Avant, on avait une solution plus élevée. Et maintenant, c'est plus basique parce qu'en temps réel, on met seulement la consommation totale de la maison. D'accord. Et on a en plus des alertes qui se peuvent mettre
sur la consommation basique. Oui. Non, mais c'est génial, il y a de l'intelligence artificielle dans le compteur électrique. Tout à fait. Avec ça. Ça coûte combien, Eleanor? Ça coûte 120 euros. Et c'est commercialisé? Oui. Et je peux trouver Oui, sur Internet et aussi d'accord. Si vous nous contactez. Nous avons aussi des pilot packages, par exemple, si vous êtes intéressé, par exemple. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Eleanor. Ouais, merci beaucoup. Merci. Voilà, VoltaWare, ça s'appelle. Et vous êtes soutenu par Engie, hein, notamment. Oui, hein. Exactement. Parfait. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette maison connectée. Enfin, le tour. Quelques inputs, comme on dit, parce qu'effectivement, il y a énormément de sujets liés à la maison connectée. C'est la fin de ce quatrième 01 Live spécial CES 2018 de Las Vegas. On a été très heureux de vous faire vivre cette édition 2018, hein, François. JD qui est en train de faire un plan. Pierre, je ne sais pas si tu peux nous... Oui, voilà. Non, exactement. Ça, c'est Pierre Thiolin qui était aux manettes qu'on ce soir. Qu'on vous montre les dessous de la réalisation. Mais alors, comment on fait pour montrer JD? Tu peux faire le selfie avec la caméra? Non, mais attends, tu sais quoi? Tu vas me donner la caméra, mon pote. Voilà. On va vomir, non, c'est là. Pas dangereux. Oulala. Et voilà, il est là. Regardez comme il est beau. Bah, pas mal. Et voilà. Regardez un petit peu les coulisses de ce studio. C'est vrai que pendant lui notre big boss. Cette petite semaine, on était très heureux d'être avec vous. Ce CES de Las Vegas se termine, je disais. Il y a de moins en moins de monde dans les allées, etc. Ouais. On a été ravis d'être avec vous. On remercie encore une fois La Poste, hein, Jérôme. Qui nous a accueillis effectivement pour ces quatre lives dans ce très joli studio. En plus, en mezzanine, on a pris de la hauteur. On va rentrer nous tranquillement sur Paris et puis on se retrouve très vite, vous le savez, sur 01net TV, toute l'actualité high-tech et toute l'actualité de ce CES est à suivre bien sûr sur 01net TV, mais sur 01net.com avec entre autres Adrien Manco qui vous a fait vivre aussi en vidéo pas mal d'innovations. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, merci pour vos messages, merci de nous avoir suivis, à très vite, salut.